Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Les États-Unis en campagne présidentielle. Les États-Unis sont-ils en train de changer? Rarement une élection pour la Maison-Blanche a déclenché autant de passions. Tout le pays s'est réveillé et suit le feuilleton de la sélection des candidats, puis de la préparation des prochaines conventions, puis du face-à-face Obama-McCain. Les deux hommes qui vont s'affronter au mois de novembre incarnent chacun une part de la réalité américaine. Et pour Bibliothèque Médicis, avec Monique Cantos-Sperber, nous avons invité André Caspi. Vous publiez aux éditions Tempus « Comprendre les États-Unis d'aujourd'hui », puis vous avez publié il y a quelques semaines « Les Juifs américains chez Plomb ». Vous êtes un des grands connaisseurs français des États-Unis. Paul Giraud, sénateur UMP de l'Aisne, vous assisterez cet été, je suppose, à presque toutes les conventions démocrates et républicaines, et vous êtes président du groupe d'amitié France-États-Unis. François Durper, vous publiez chez Demopolis « L'Amérique de Barack Obama ». Stuart Haugen, vous représentez en France les républicains américains, donc John McCain. Et vous, Samuel Solvit, vous présidez avec beaucoup de passion, d'après ce qu'on me dit, le comité français de soutien à Barack Obama. Comment vous êtes rencontrez-vous, Samuel Solvit, avec Obama? Moi, la première fois que j'ai vraiment entendu parler du personnage, c'était en 2007. Il a commencé à parler plus concrètement de sa candidature, enfin de son engagement pour les élections. Et après, c'est qu'avec le début des primaires, début 2008, que ça a pu se concrétiser et qu'on a pu faire quelque chose ici, parce que c'est pas... Il y a une résonance ici qui est évidente pour plusieurs raisons. D'abord, l'importance des États-Unis, de ces élections pour les États-Unis, évidemment, pour le reste Vous du monde français. Aussi. Je suis français et je ne suis pas du tout, comme Stuart, représentant de Barack Obama ici, ou à défendre son cas, enfin sa candidature. Comme lui fait pour John McCain. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis français et c'est une vision, c'est un engagement politique et civique au nom de la France, au nom du reste du monde, pour des raisons qui sont différentes. Lesquelles? Alors, il est plusieurs raisons. D'abord, évidemment, l'impact des États-Unis sur le monde est important, donc on doit émettre un avis. Pourquoi lui? Il donne quelque chose de très neuf aux États-Unis, même aux démocraties occidentales, à la fois en termes d'intégration, à la fois en termes aussi de vision politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas issu de l'establishment comme l'était Hillary Clinton ou comme l'est également McCain. C'est quelqu'un qui est très neuf, il a un parcours. Bien sûr qu'il a fait des grandes écoles, mais qu'il est arrivé beaucoup plus vite sur la scène politique. Il n'est pas passé par Washington, pour toutes ces raisons-là. Mais aussi, ça, c'est un petit peu sur qui il est. Après, il y a évidemment aussi des choses plus concrètes de ses positions. La guerre en Irak. On ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas. Quand, depuis le début, il n'était pas sénateur à l'époque, il n'a pas voté contre, il ne pouvait plus pas. Facile. Bien sûr, mais en même temps, il a officiellement déclaré, ça, c'était pas forcément plus facile. Parce qu'officiellement déclaré qu'il était contre, évidemment qu'il n'a pas à voter. Mais il a, depuis le début, été contre cette guerre. Mais beaucoup de démocrates ont voté pour la guerre. Lui, Hillary Clinton en particulier, ce qu'elle a payé très chèrement. Oui. On ramène le problème toujours au problème racial ou de sa couleur. Ça fait partie de son être. Sa complexité culturelle, ça fait partie de qui il est. Mais sa candidature, c'est d'abord une candidature, comme le disait François Durper, post-raciale. Allez... Et une déception terrible aussi des Américains avec les deux dernières élections. Aussi les problèmes qu'il y a eu à la fin sur le décompte des votes. Les Américains ne sont plus... Il y a peu de délais. Enfin, quand on regarde les personnes qui vont voter, il n'y en a pas tant que ça, beaucoup moins qu'en France. Donc, vous voulez dire que le taux d'abstention est plus élevé. Exactement. Oui, d'accord. Et donc, il renouvelle, et c'est ce qui attire beaucoup ici aussi, l'idée démocratique. Outsider. À vous deux. Oui. Obama, je sais que je vous entends, il est presque parfait. Et il a quand même quelques défauts, oui, quelques faiblesses. Lesquelles? Mais vous ne vous échapperez pas, vous aussi, il y aura à peu près le même type de questions, parce que vous en faites déjà pas Saint-McCain, mais pas loin. Alors, les défauts, les faiblesses. À mon avis, les gens ne le cernent pas. Complètement. Il s'est engagé, par exemple, sur des... il a affirmé, par exemple, le discours avec l'Iran, et ces positions-là, il est revenu à l'AIPAC. Il a des choses plus pro-israéliennes. Donc les gens ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Donc peut-être, il y a cette... Défaut insaisissable. Oui. Peut-être l'inexpérience, qui à mon avis est un faux argument, mais qui est quand même un argument. Ça n'est pas un, mais ça n'est pas un. Et alors, il a du mal à trouver Samuel Solvit.
camp. Un défaut. Non, mais c'est de vrais défauts. Son principal avantage, c'est d'être démocrate dans cette campagne. Et son principal défaut, c'est effectivement de ne pas être connu par les Américains. Un Américain sur 10 pense que Barack Obama est musulman. Il a lancé, il y a quelques semaines, un site internet, fivethemers.com, qui est complètement consacré à lutter, c'est une campagne antivirale, contre les rumeurs. Et il doit sans cesse combattre contre la dernière rumeur, c'est Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. Mmh. Il est né au Kenya. Donc il a dû produire un certificat. Oui, mais il est né de parents américains. Et qu'est-ce que doit redouter Obama? L'opposé est la même chose, dans le sens où l'image qu'il n'apporte pas de fond, ce qu'il faut, parce que c'est surtout qu'on se focalise là-dessus. On se focalise sur son charisme, sur son aura, qui sont des vérités, mais on n'analyse pas assez, ici aussi. Hein. Mais c'est, à mon avis, les gens peuvent au bout d'un moment se dire, mais est-ce que ce n'est pas un soufflé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et qu'est-ce que doit redouter Obama? L'opposé est la même chose, dans le sens où l'image qu'il n'apporte pas de fond, ce qu'il faut, parce que c'est surtout qu'on se focalise là-dessus. On se focalise sur son charisme, sur son aura, qui sont des vérités, mais on n'analyse pas assez, ici aussi. Hein. Mais c'est, à mon avis, les gens peuvent au bout d'un moment se dire, mais est-ce que ce n'est pas un soufflé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comme dans l'ensemble des États-Unis, est-ce que les Américains perçoivent réellement que le monde change, pas seulement parce que le prix de l'essence augmente, parce qu'ils ont des difficultés économiques, est-ce qu'ils pensent qu'il reste une grande puissance où ils voient monter les pays ou les États-continents, la Russie, la Chine, l'Inde? C'est la Chine qui fait peur. Hein ouais. Il y a un réveil, c'est aussi un des messages qu'on porte. Mais là, on a un comité en France, mais il y en a d'autres en Europe. C'est pas vrai que c'est qu'en France. Regardons les statistiques en Europe par rapport à Obama. Même au Moyen-Orient, c'est intéressant. Il y a eu quelque chose dans Foreign Policy, le magazine, qui décrivait bien ça. Donc il y a un réveil, à mon avis, aussi aux États-Unis. C'est une île, il faut savoir, les États-Unis, qui sont un leader toujours. Donc il y a un renfermement, mais il y a peut-être justement des brèches là-dedans d'ouverture. Je reviens à ce que je disais au début. L'Amérique ne sera plus la même après cette élection qu'avant. Obama sait qu'il y a un comité de soutien en France? Il semblerait que oui. Et j'étais avec un de ses conseillers, comme je le disais à M. Giraud, il y a quelques temps. Oui, c'est très bien. Et l'Amérique, en tout cas, le gardera. Son formidable pouvoir de séduction pour la plupart d'entre nous, on n'a qu'à nous écouter, vous écoutez depuis tout à l'heure. Il y a, c'est vrai, un intérêt passionné pour des Français et de vous pour le rendez-vous de novembre, dans 5 mois. Qui entrera à la Maison Blanche, Ken Obama, avec toutes les conséquences pour nous. Eh bien, est-ce qu'on peut dire que Bibliothèque Médicis fera comme tout le monde? Elle n'ira pas son choix, mais elle s'intéressera à la campagne, au vote, au choix des Américains, parce qu'ils nous concernent tous, ça c'est une évidence. Comme dans les meilleures séries, le feuilleton continue et il restera passionné. Merci, nous nous reverrons. Merci. Il continue, l'équipe de Bibliothèque Médicis, Anne-Marie Moreau, Françoise Malanti, Céline Mévelec et évidemment M. Philippe Lallemand, s'enlèchent déjà les babines, ils imaginent toutes les émissions et les débats que nous allons faire. Ils ont raison. Merci à vous tous. Vous pouvez retrouver Bibliothèque Médicis sur notre site publicsénat.fr. Évidemment, à bientôt.